J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. J'ai bien dormi. Là, je me suis préparée. On va aller faire des petites courses. Et on va faire un petit programme de la journée. S'il fait pas trop froid, on va aller au parc, etc. On va voir le temps là quand on va sortir. Hop, je me suis préparée un petit peu. Je voulais aller faire les magasins, mais je me dis qu'un samedi après-midi, ça va être la guerre pendant les soldes. Donc, je préfère attendre peut-être lundi. Ça va être mieux parce que j'ai plein de choses à acheter. J'ai vraiment une liste comme ça de choses à acheter. Donc, je pense que je vais attendre lundi quand il n'y aura personne dans les magasins et je vais aller faire mes petites courses. Les filles, je vais rajouter ces petites boucles d'oreilles que je me suis prises sur Shein, des grosses perles comme ça. Je trouve que les petits détails, bah, ça change tout. Ça fait très, très sympa. Que ce soit les montres, les boucles d'oreilles, les bagues, les bracelets. Je trouve que ça change. Donc, je mets elle et on va sortir. Je vais rajouter un petit peu de parfum. Celui-là, c'est le Pur Musc. C'est des parfums qui viennent de Dubaï. Donc là, pour vous donner la référence, un lien, j'en aurai pas. Mais c'est celui-ci, les filles, si vous le voyez dans la story de quelqu'un qui a un code ou quoi. C'est le Pur Musc. Ok, vous m'avez tout dit qu'il y a des bons plans dans les magasins. Je vais y aller lundi tranquillement, quand il n'y aura pas beaucoup de monde. Parce que là, le samedi, ça va être full. Et moi, tous les bons plans que je vous trouverai dans les magasins ou autres, je vous partage. Les filles, on y va. Déjà, on commence par une mission. On va récupérer la voiture chez ma belle-mère parce que Nabil ne nous l'a pas ramenée hier. Je vous montre mon petit outfit du jour. Let's go. On part faire les courses. Je vais faire un bon petit goûter pour Jamal ce soir. Des madeleines. Je vais m'activer là. Ah, il est sympa ce Leclerc. Ben, du coup, je vais prendre des ananas. Hein. Les filles, j'ai pris juste parce qu'il y avait de l'ambiance. J'aime bien les ananas. C'est trop sympa les messieurs. Vraiment, c'est sympa de faire ses courses dans ce genre d'ambiance. Là, je vais prendre ça. Alors les filles, je vais prendre ça. On va faire au goûter, pour le goûter, des roses des sables. Quand j'étais petite, je faisais tout le temps ça au centre aéré. Non, je vais pas prendre ceux-là. Je vais prendre ceux-là. Et après, on va mettre du chocolat, on va les mettre au frais. Bref, ça va faire un petit goûter trop sympa. Non mais Jamel, il voulait acheter la Sophie la girafe, il a dit c'est la base. Je vais l'avoir pour citron. Merci. Bon, les courses, c'est bon, c'est ok. On a pris ce qui nous manquait. Là, on va aller manger. On va faire un petit kiff. Et après, petit tour au parc. Et après, on rentre à la maison. Et on va faire le goûter de ce soir. Un bon petit quick.
super bien mangé. Là, les petits sont en train de jouer avec Jamel au parc. Il y a un super grand parc de jeux dans le Quick. Tant mieux parce que dehors, il fait vraiment trop froid. Et après, on va rentrer à la maison. Vraiment, dehors, il fait trop, trop froid. Bon les filles, je suis rentrée à la maison, je vais vous faire un haul My Adaya. Vous savez que c'est une marque que j'adore, donc c'est une marque Masto. Donc là j'ai commencé à mettre cette Abaya, donc je vais vous montrer, il y a l'ensemble qui va avec, donc le voile, le kimar, qui va avec cette jolie Abaya, avec vous savez les manches comme ça. Regardez l'ensemble entier, comment il est super beau. Donc comme je vous ai dit, là il y a le kimar et en dessous en fait, il y a la Abaya. Donc les manches, j'aime trop les détails. En fait vous avez ces deux petits boutons comme ça, avec les manches comme ça. Je trouve ça super joli. Vraiment, elle est très très belle. C'est une marque que j'aime beaucoup, My Adaya. Donc vraiment, c'est adapté pour tout le monde. Vous avez des poches. Donc là, par exemple, je l'ai rentrée. Et vous pouvez mettre vos mains dedans. Donc c'est super sympa. Là, la poche, elle est ressortie. Hop. Et là, vous pouvez mettre vos mains dans les poches. Elle est vraiment très très pratique. J'ai pris exactement la même en beige. C'est exactement la même. Vous avez les manches comme ça avec les deux petits boutons, les poches et vous avez la abaya et le kimar. Franchement, elle vaut grave le coup. Elle passe à 30 euros parce qu'il y a moins 50% sur tout le site. Plus, j'ai un code promo qui va vous donner une petite réduction en plus de toutes les soldes qu'il y a. Donc franchement, les filles, foncez parce qu'elles sont vraiment canons. Cette robe super élégante, elle est vraiment trop trop belle avec les manches comme ça. Regardez, je les trouve vraiment trop trop canon. Elle est super élégante la robe, elle est longue, elle est noire. Franchement, coup de cœur pour cette robe, elle est vraiment trop trop belle. Et avec cette robe, je me suis pris ce manteau noir. Alors sachez que j'avais le même et que je l'ai perdu, je l'avais repris en beige. Et là, je suis trop contente de l'avoir re-reçu en noir. C'est un manteau long, les filles, comme ça. Pareil, vous mettez ça avec un sac à main. Qu'est-ce que ça fait élégant. Il est vraiment trop, trop beau, le manteau. Je vous montre juste la matière que vous voyez. Vraiment trop la classe avec deux grandes poches comme ça ici. Vraiment trop, trop beau. Alors, les filles, ensuite, j'ai pris cet ensemble. Il est canon. Vraiment, il est trop, trop beau. Donc vous avez une bande comme ça sur le jogging, vous avez le sweat comme ça à zip, franchement trop trop classe. Vraiment ça, pareil avec un petit sac, une sacoche, peu importe, une belle petite paire de baskets, franchement trop trop beau. Donc c'est un bleu nuit, je sais pas si vous voyez un peu la couleur, c'est un peu un bleu nuit qui tire un peu sur le mauve, il est vraiment très très beau. Vraiment la couleur elle est belle, en tout cas je kiffe. Moi c'est totalement les ensembles les filles où je me sens le plus à l'aise et j'aime trop sortir comme ça. Vraiment, j'aime trop trop. Aussi cette doudoune pour aller avec, sans manche, je la trouve trop canon. Blanche, blanche comme ça. Et la petite capuche, les deux grandes poches, elle est vraiment canon. Franchement, il y a plein de doudounes sur My Adaya, il y a plein de manteaux, il y a plein de vêtements. Tout le site, les filles, est à moins 50%. Donc vraiment, vous allez kiffer plus, j'ai un petit code promo en plus. Donc vraiment les filles, profitez-en là de faire votre stock parce que c'est les soldes. Également pris cet ensemble comme ça, effet velours. Donc vraiment les filles, il est canon, super long. Comme ça, les pattes comme ça, les pattes, les pieds pattes d'éléphant en bas. Et du coup, vous voyez, c'est effet velours. Franchement, il est super beau. Noir, simple comme ça. Comme je vous ai dit, les filles, c'est un site de vêtements Masto, donc c'est adapté à tout le monde. J'ai pris pour terminer, les filles, cet ensemble comme ça, blanc, crème. J'aime beaucoup avec les manches comme ça. Vous voyez,
Il est super sympa. Donc voilà pour ma petite sélection My Adaya. Sachez qu'il y a les soldes sur My Adaya, donc ça veut dire qu'ils ont appliqué moins 50% sur tout le site, que ça soit sur les ensembles Habeya, que ça soit sur les vestes, sur les manteaux, sur les doudounes, sur les ensembles. Vraiment les filles, profitez-en, faites-vous plaisir, parce que vraiment tout a baissé, bah, comme je dis, c'est à moins 50%, plus mon code promo vous rajoute moins 5%, ça vous fait moins 55%, donc vraiment les girls, allez sur le site, même s'il n'y a pas que la sélection que je vous ai présentée, il y a plein de vestes, il y a plein d'ensembles de jogging, plein de habaya, d'ensembles avec le Kimar. Vraiment les filles, ça vaut grave le coup, parce que les ensembles Kimar, avec le Kimar, ils passaient à 30 euros, plus vous rajoutez les moins 5%, donc vraiment les filles, il vaut grave le coup. Donc je vous mets le code promo, je vous mets le site My Adaya, et vraiment les filles, the bon plan pour les soldes. Les filles, écoutez le bruit de ma machine à laver. Dites-moi si c'est normal ou pas normal. Si vous pensez que c'est un signe de casse. D'ailleurs, combien de temps dans ta machine ? Voilà, même pas. Je l'ai acheté quand j'habitais à Annemasse, ça a un an et demi. Vous avez pas garantie ? Je sais même plus où est-ce que je l'ai acheté. Donc là les filles, j'ai commencé à faire ma pâte. Franchement, qu'est-ce que ça sent bon, ça sent la vanille. J'ai mis de la vanille à l'intérieur. Je racle les parois. Là, elle est parfaite. Ça sent trop bon. J'ai trop envie de goûter, mais comme j'ai mis des œufs à l'intérieur, je peux pas. C'est interdit pour les femmes enceintes quand c'est pas cuit. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre tout ça dans mes moules. C'est la première fois les filles que je fais des madeleines. Hein. Et après, je vais faire, vous voyez, les petites coques en chocolat. D'abord, faut d'abord faire les... Ok, je vais m'appliquer. Voilà. Bon, je vous montre, j'ai placé ma pâte. Là aussi, j'ai fait dans les petits moules. On va voir ce que ça donne. De toute façon, j'ai gardé de la pâte au cas où je les rate. Hop. Là, je vais enfourner à 180 degrés. Bon, écoutez, c'est les seules madeleines que j'ai pas ratées. Les autres, elles sont toutes foirées. Donc, j'en ai réussi trois grandes et des petites. Je vais quand même faire un goûter parce que j'ai envie d'un goûter. C'est soit je prends des cours de pâtisserie avec Saloua. Le salé, je gère. J'ai aucun problème avec le salé à part le couscous. Donc, c'est soit cours de pâtisserie. Soit j'abandonne totalement parce que deux fois que je veux faire de la pâtisserie, deux fois que je rate. En plus, pour une histoire de choc thermique. C'est bon. Mais en fait, c'est pas censé être dur. Déjà que je devais faire un goûter pour Jamal. En plus de ça. Là, il me boude parce que j'ai écrasé son pied avec la chaise. Il attendait sur le madeleine. Goûte. Vas-y, on va goûter. Non, mais prends les moelleux. Ils sont très durs, ça. Mais attends, le goût, c'est plus important. Je sais que j'ai raté, mais
Non, le goût, il est très très bon. Elles sont délicieuses. C'est vrai, c'est gentil. Même si elles sont piquantes. Non, là, c'est archi bonne. C'est juste la texture, c'est pas... Bah, fallait que je les mette au frais. Et même l'aspect, regardez, elles sont belles. De quoi, là, au frais? En fait, il fallait faire un choc thermique pour pouvoir qu'il y ait, tu sais, la petite coque, là. Non, pourquoi c'est pas malheuse? C'est ça que je crois. Bah, je crois qu'il fallait les mettre au frais. Ah ouais? Je l'ai refait, mais j'ai gardé de la pâte. Genre la pâte elle est parfaite, le goût parce est parfait. Parce que je voulais faire des petites coques aussi en chocolat, tu sais, comme les bonnes mamans. C'est bon. Le goût il est archi bon. Bon les filles, j'ai mis ma petite bougie de chez Bayam. Là, je vais laisser fondre parce qu'ici, j'avais mis un fondant. Et je vais vous mettre mon petit classement en termes d'élixir. Donc la number 1, c'est le bouquet divin. Vraiment les filles, une odeur incroyable. Vraiment, ça sent le parfum de luxe et ça va vraiment parfumer tout votre intérieur. Le deuxième que j'aime beaucoup, c'est le thé noir vanille. Vraiment, ça sent comme dans les hôtels de luxe, ça sent extrêmement bon. Et le dernier, c'est cannelle ambrée. Vraiment, ça sent le spéculoos, le biscuit. Ça sent aussi très très bon. Donc vraiment pour moi c'est la base d'avoir ça à la maison et c'est une de mes marques préférées les filles. Donc je vais vous parler de tout ce qu'ils proposent. Bon les filles, je vais vous parler d'une de mes marques préférées pour l'intérieur, tout ce qui est pour les textiles, pour les diffuseurs d'intérieur. Moi vous savez que j'ai que ça à la maison et c'est quelque chose que je vous recommande parce que déjà je trouve ça très 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 joli. Donc ça les filles, c'est les brûleurs. Donc celui-ci que vous voyez ici et celui-là, pareil c'est la même chose derrière, vous mettez votre petite bougie. C'est des brûleurs les filles et vous allez venir mettre de l'élixir à l'intérieur, donc comme cela, je vais vous montrer et ça va diffuser le parfum d'intérieur mais dans tout l'appartement ou dans toute la maison. Vraiment vous avez besoin juste d'une pipette, mais là c'est beaucoup ce que j'ai mis. Vous mettez voilà quelques gouttes comme ça les filles, vous mettez votre petite bougie et ça va parfumer tout votre intérieur. Donc c'est vraiment des brûleurs et des élixirs que je recommande. Il n'y a pas que ça que j'aime chez Bayam, il y a aussi leur spray textile, leur spray d'intérieur. Donc vraiment les filles, celui-ci c'est l'Arche, donc c'est le brûleur Arche. Et celui-ci, c'est le bubble. Donc celui-ci, en fait, il reste que dans ma chambre. Donc normalement, il est comme ça. On voit pas la bougie. Et celui-ci, il va sur ma table à manger puisque je le trouve vraiment très très beau. Il se marie bien avec la table en travertin. Vraiment, les filles, c'est vraiment de la qualité en termes de brûleur. Ils sont vraiment peu chers pour la qualité que c'est. Je crois qu'il tourne autour d'une vingtaine d'euros, sachant qu'il y a aussi un code promo. Mais vraiment, ce qui va faire tout le charme de votre appartement, c'est les odeurs. Donc celui-ci les filles, c'est le bouquet divin, je vous le recommande x10. Vraiment il me fait penser au Christian Dior, vraiment c'est une odeur extrêmement luxueuse. Il sent vraiment très très bon, vous allez vraiment beaucoup aimer. Et je vous ai dit le thé noir vanille, vraiment il me fait penser aux hôtels de luxe, vraiment il sent super bon. Vous avez aussi le cannelle ambré, celui-là c'est je le mets sur mon top 3 en 3ème position parce que c'est plus une odeur de biscuit, de spéculoos. Et moi je préfère plutôt ces odeurs-là, type hôtel et type odeur de luxe. Donc vraiment les filles, c'est à avoir, que ce soit dans vos chambres, dans vos appartements, peu importe. Vraiment les filles, je trouve que ça donne trop du charme parce que c'est vraiment trop trop beau. Et vraiment les odeurs, elles sont ouf, elles sont très Alors les filles, avant de vous donner le bon plan, je voulais absolument vous parler de ces brumes textiles. Alors pour moi, ça c'est pareil, un truc à avoir absolument. Donc moi ça se voit, je l'utilise quotidiennement, que ce soit sur mes coussins, mes rideaux, vraiment partout. Jamal aussi, dans son van, tout le temps, je lui donne des brumes Bayam parce que vraiment ses clients, ils lui disent à chaque fois, ça sent super bon dans ton van. Et c'est grâce à ce genre d'odeur parce que vraiment les filles, c'est des odeurs uniques. Donc celle-ci, c'est fleur d'oranger. Donc c'est mon chouchou, ça me fait penser à Marrakech. Vraiment, ça sent l'été, Marrakech, le soleil. Et aussi, notamment, vous savez, les hammams où ça sent la fleur d'oranger. Notamment le Ispahan, c'est là où j'avais fait le hammam de la mariée. Et bah vraiment les filles, l'odeur qui se dégage dans ce hammam, la fleur d'oranger, bah c'est ça. Vraiment, vous allez trop trop aimer. Donc celui-ci, c'est mon number one de fleur d'oranger. Mon number two, c'est celui-ci, autant en spray et aussi, j'aime beaucoup en élixir. C'est le douceur de linge. Vraiment, les filles, vous allez beaucoup l'aimer. Donc, le douceur de linge, il faut que je vérifie s'il est encore en stock en élixir. Mais vraiment, les filles, ça, c'est une pépite. Ça sent la lessive, ça
sens le propre, vraiment, si vous aimez ce genre d'odeur, moi personnellement je kiffe. Le douceur de linge, vraiment, c'est mon deuxième coup de cœur. Vraiment, c'est, je le mets juste après le fleur d'oranger. Je l'aime beaucoup, beaucoup, que ça soit en élixir ou en spray. Même le fleur d'oranger en élixir, je l'aime d'amour. Alors, les deux dernières, les filles aussi, que j'aime beaucoup, c'est le coton doux. Donc, vraiment, celui-ci, il sent le frais, il sent le coton. Vraiment, celui-ci, vous aimez ce genre d'odeur de frais, vous allez vraiment l'aimer. Et celui-ci, bah, excusez-moi, mais c'est le soleil, le monoï, la vanille. Vraiment, celui-ci, totalement été. Donc, si vous êtes des fans de sucré, de monoï, celui-ci, vous allez beaucoup l'aimer. Je recommande à tous parce que vraiment ça change tout. Quand j'ai terminé mon ménage et que je viens mettre mes sprays textiles et que je viens faire le diffuseur, vraiment les filles, quand à chaque fois il y a une personne qui vient chez moi, elle me dit à chaque fois ça sent trop trop bon chez toi. Et vraiment c'est des odeurs qui restent, les filles, parce que c'est des odeurs que personnellement j'ai jamais retrouvées ailleurs et vraiment qui sentent super bon. Et on est vraiment sur des gammes pour moi luxueuses à petit prix. Donc vraiment cette marque elle mérite encore plus de succès. Vraiment c'est une marque trop trop bien, je l'aime trop trop trop. Donc là l'offre du jour, les filles, vous allez être contentes. C'est la première fois que j'ai ça chez Bayam. C'est à dire vous avez moins 20%, que ça soit sur les sprays, les élixirs, les brûleurs, peu importe. Vous avez des brûleurs beaucoup plus minimalistes pour vos décos, parce que là moi c'est des décos qui ressemblent plus à mon intérieur, mais vous avez des brûleurs beaucoup plus minimalistes. Donc là vous avez moins 20%, plus vous allez avoir une élixir offerte au monoï. Donc vous allez pouvoir, par exemple, si vous prenez un brûleur et un élixir, ou un brûleur et un spray, c'est à partir de 30€ d'achat, bah vous allez pouvoir avoir une élixir offerte en plus. Donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre le brûleur avec un spray et vous allez avoir l'élixir offerte. Donc vraiment ça vaut grave 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 le coup. Au moins vous avez le combo parfait, en fait vous avez les trois. Alors là, regardez les filles, c'est mon panier. Vous avez 3 articles, donc ils vont passer à moins 20%, plus vous avez le cadeau. Donc comme ça fait 30€ les deux articles, donc là j'ai un brûleur, un spray d'intérieur et l'élixir monoï offert. Donc là, vous avez les 3 produits, les filles, avec les moins 20% et l'élixir offert. Donc c'est trop trop bien. Alors là les filles, je vais faire des spaghettis à la bolognaise. On avait envie de manger ça ce soir, j'ai décongelé la viande. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Les filles, à votre avis, je vais partir avec 2 influenceuses. Je peux pas vous dire destination, je pourrais vous dire, je pense, dans une semaine. À votre avis, avec qui je vais partir? Dites-moi en commentaire vos statistiques, juste pour voir si vous me connaissez. 2 influx que j'aime beaucoup et que, bah, franchement, j'en parle souvent. Donc je vous laisse me dire vos statistiques. Une petite pincée de sucre.